tu le mets côté extérieur, ici. Non, 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 le tableau. Oui, comme ça, j'avais raison. Voilà. Voilà, tu te mets déjà, sors-le un peu plus par là. Parfait. Allez, un coup de fil à plomb et on est bon. Avant de taper, il faut que tu le règles au fil à plomb. Parce que là, si tu le serres et sans régler... Lève là. Lève. Elle est jeune. Si vous tapez... Non mais... Oh. Si tu tapes et que tu n'as pas le fil à plomb dans l'autre main, tu tapes dans le vide. Tu ne sais pas ce que tu fais de bien ou de mal. Allez, c'est fait. Voilà. Alors tu plombes sur lui-même et après tu le plombes en bas. Alors avant, il y a un truc de bien à faire, c'est de rater ce mortier là qui dépasse. Comme ça déjà, en plaquant la truelle, tu vois si ça boite ou pas. Donc là, là c'est très bien comme il est. Oui, là ça va là. Regardez. Voilà, et ben, ça va. Maintenant tu peux descendre jusqu'en bas. Descends-le jusqu'en bas pour voir si tu es bon à ta référence. Allez, voilà, il est très bien, ok. Et là pareil pour ici. Donc la même chose. Ok. Là je pense pas parce que regardez là. Ouais, et ben là il demande à sortir. Donc là ouais. Ce qu'il faut faire, regarde. Là pour le premier il est bon. Ouais. Alors là, on sort un peu trop. Donc là, on va le rentrer, tu vois, pour que ça effleure vraiment. Là, c'est beau, là. Ça effleure tout juste. Allez, parfait. On laisse comme ça, on racle bien le mortier. Donc là, c'est bon, là, je touche plus à celui-là. Là, tu touches plus. Et là, j'en mets un entier, là. Là, ce que tu fais, tu poses l'autre tête, tu vois, l'autre moitié. Qui fera 25, il faut bien vérifier qu'elle fasse 25. D'accord. Et après, tu n'auras plus qu'à mettre ici les deux parpaings qui entier. Iront au milieu. Voilà, entier. Et ça va croiser. D'accord. Ok.